Monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes projets de 2018. Alors mes cheveux sont encore en bataille, j'arrive pas à les discipliner, ils rebiquent mal à cette longueur là. Alors bon bah on fait avec. Et je me suis mise dans cet axe là puisque ma fenêtre est derrière et du coup c'était la meilleure luminosité possible, le jour commence à baisser. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, parce que sinon je vais finir dans le noir. Je vais commencer par parler de YouTube et ensuite des projets perso professionnels. Alors YouTube, je voulais parler de la danse, donc je vais sortir deux vidéos sur mon groupe de danse. Donc vous le savez peut-être, je fais de la danse depuis, depuis très longtemps, et le groupe, j'ai un groupe depuis plusieurs années, et donc je vais vous poster des répétitions des danses qu'on a apprises de A à Z. Et une petite interview, une sorte d'interview avec mon ami avec qui je danse. Et donc voilà, j'ai hâte de vous poster ça parce que c'est un gros truc dans ma vie. Et voilà. Et autre truc par rapport à la danse, c'est les vidéos Funny Dancing. Donc au début je l'avais appelé Speed Dancing parce que la vidéo était un petit peu accélérée. En fait, en soi je passe pas la vidéo pour la mettre en rapide et voilà, alors que Funny Dancing, je trouvais que ça c'était plus le bon mot, puisque c'est pas une vidéo genre pour vous montrer que je danse hyper bien et sur lesquelles je vais faire un effort de chorégraphie de fou. Je voulais juste faire une vidéo où je m'amuse à danser et que je mette des petites notes drôles. Genre par exemple dans celle que j'ai postée à l'heure actuelle, des fois à un moment je fais comme ça. Bon bah ça c'est pas un truc de chorégraphie, c'était juste pour faire un truc drôle. Et voilà, il y a la façon dont je bougeais un moment comme ça, c'est pas en soi pour danser de manière professionnelle, mais pour faire un petit truc divertissant et qui donne le sourire quand on le regarde. Donc je vais essayer d'en faire d'autres et puis bon on verra, ça va peut-être pas durer ou je sais pas, mais voilà, j'ai envie d'en faire d'autres. Ensuite cette année je devrais être interviewée par une personne qui s'appelle Lucie, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, par rapport à mon chemin de petite taille, d'apparence, etc. Voilà, j'ai hâte, je sais pas encore quand on va faire ça, mais ça me met vraiment en joie qu'on fasse bientôt ce truc-là. Donc de toute façon, quand on aura fait l'interview, je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Et puis peut-être que je vloggerai un petit peu cette expérience, enfin je sais pas trop encore, mais en tout cas voilà, il y a ça qui arrive. Donc ce sera pas sur ma chaîne, ce sera sur la chaîne qui s'appelle C'est mon histoire. Et voilà quoi, j'ai vraiment super hâte et en même temps j'ai un petit stress parce que bah voilà, ça me fait un petit peu peur, mais je suis sûre que ça va être super. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et le troisième gros truc dont je voulais parler, c'est que j'ai un projet de voyager en France. Mais voyager, d'aller chez les gens, de personne en personne. Et avec ces personnes-là, de faire pourquoi pas une vidéo si la vie de cette personne s'y prête, si la personne a envie de partager quelque chose, de parler de quelque chose, de présenter quelque chose. Donc voilà, et ces personnes là ça peut être vous. En fait je ferai une vidéo spéciale pour parler que de ça, mais l'idée c'est que si vous avez envie de m'accueillir chez vous, la vidéo c'est pas obligatoire, mais si vous avez envie de m'accueillir chez vous, ben on parlera un petit peu par mail et puis on verra comment c'est possible. Je voudrais pas non plus tomber sur des gens qui en fait me veulent pas du bien. Donc du coup je vais vraiment faire attention et voilà. Mais l'idée c'est de voyager en France, de faire des vidéos s'il y a l'occasion. En tout cas je ferai des vidéos de voyage, des villes que je visiterai, etc. Mais voilà, je vous ferai une vidéo spéciale juste pour ça, juste pour les inscriptions entre guillemets, les personnes qui aimeraient m'accueillir chez eux. Etc. Voilà, ça m'a été inspiré par eh bien Laetitia déjà avec la tournée des pique-niques qui a voyagé dans 30 villes cette année, enfin en 2017, et voilà, qui a vu plein de gens et ça m'a vraiment parlé. J'avais vraiment envie de faire une sorte de voyage pareil
De la chaîne La France Crue qui maintenant s'appelle Camille et Thomas puisqu'ils sont plus tout à fait dans la même histoire du cru à 100% et tout, qui eux ont voyagé pendant un an. Ils ont fait une pause pendant l'été je crois, mais ils allaient de personne en personne. Ils vivaient chez eux pendant un certain temps et ils parlaient de cru ensemble, ils partageaient des expériences avec les gens chez qui ils étaient. Et voilà, ces deux combinés, ça m'a vraiment donné envie de faire un truc. Alors pas forcément pareil, je vais pas faire un truc spécial cru et je vais pas faire des pique-niques, mais de mélanger un peu en allant voilà, chez les gens, de personne en personne. Et moi ça me permet de voyager, ça me permet de m'enrichir via les expériences qu'on va partager, ce genre de choses. Et en plus ça pourra faire des vidéos à vous partager sur... des choses voilà, qu'on vous partagera qui seront intéressantes et... Bon voilà, c'est peut-être un peu flou, je sais pas si vous comprenez bien mon projet, mais en tout cas je ferai une vidéo spéciale pour vraiment poser le truc. J'aimerais faire ça en 2018. Je sais pas encore trop quand, si ce sera avant l'été, après l'été, je sais pas trop. Mais j'aimerais faire ça cette année. Et si vraiment je peux pas le faire cette année, ce sera en 2019, mais en tout cas... c'est un projet que j'ai vraiment envie de faire, donc voilà. Ensuite, on passe au projet personnel et professionnel. Alors, petite annonce, je serai au Veggie World de Paris en avril, le 7 avril. Donc voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire et puis on se croisera ou alors on se donnera rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, vous savez que j'y serai. Je compte voyager en Angleterre cette année parce que, oui, avoir vécu un an en Angleterre, je me suis clairement attachée. Et j'ai vraiment envie d'y retourner, donc j'irai à Swindon, là où j'habitais. Parce que, voilà, la ville en soi, en elle-même, je veux dire, elle n'a rien de spécial. Mais vu que c'est là-bas que j'ai habité pendant un an, je me suis vraiment attachée. Là, dans ma tête, je revois tout, je revois le centre-ville, les rues, les parcs. Donc j'ai vraiment envie d'y retourner, de dire bonjour à des personnes que je connais là-bas. Notamment la famille dans laquelle j'étais, s'ils veulent bien me dire bonjour aussi. Normalement ça devrait être faisable. Je vais dormir chez une amie que je me suis fait là-bas. Normalement si les dates tombent bien. Voilà, et puis du coup en fait je veux pas juste aller là-bas, je voudrais faire un tour un peu d'Angleterre. Donc j'irai sûrement à Londres quelques jours avec une amie qui a envie de visiter Londres. Peut-être dans une autre ville avec une autre amie qui a envie de visiter une autre ville. J'irai à Brighton parce que j'ai mon amie qui habite là-bas. Une autre amie qui est française, je vous l'ai déjà montré dans... Enfin, vous l'avez déjà vu dans des vlogs, si vous les avez regardés. Voilà. Et puis peut-être dans d'autres villes ou d'autres coins de l'Angleterre, mais pour l'instant c'est... J'aimerais faire ce petit tour, donc plutôt dans le sud de l'Angleterre. Voilà, voilà. C'est pareil, je sais pas quand exactement, j'ai juste envie de faire ça cette année. Peut-être qu'en fin d'année, franchement là je sais pas trop encore. Mais voilà, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, de faire ce petit road trip de 2 semaines ou 3 semaines si possible. Ce serait vraiment l'idéal, donc voilà. Je suis désolée, j'arrête pas de dire voilà à la fin, je sais que c'est un tic chez moi. Voilà, donc voilà, je suis sincèrement désolée, je le fais pas exprès, ça vient tout seul. Ce dont je vais vous parler, là c'est pareil, c'est qu'en fin d'année que ça arrivera, c'est le fait que je m'installe à mon compte en tant que naturopathe ou en tant que masseuse, parce que dans notre formation on a des massages qui servent dans la naturo à certaines choses, mais on a quand même une formation qui donne un petit diplôme spécial massage. Donc on peut faire que des massages, quoi. On n'est pas obligé de l'inclure dans la naturo. Du coup je vais essayer de me lancer là-dedans, en plus du coup de la naturo, de faire les deux. Voilà, c'est des projets professionnels. J'ai vraiment des gros freins par rapport à ça, par rapport au local en fait. Là je loue déjà un appartement mais clairement il n'y a qu'une pièce, donc je peux pas faire une pièce spéciale pour accueillir des gens. Donc il faudrait que je trouve un endroit à louer en plus pour faire mon cabinet. Donc ça fait encore des dépenses et vu que faut bien commencer à un moment, avant qu'on soit vraiment dedans, il y a très peu d'argent qui rentre, il faut payer le loyer du cabinet, plus le loyer de la maison, enfin de l'appart.
Voilà, faut trouver le lieu, faut faire des papiers pour se mettre à son compte ou... Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, administratives et côté pratique qui vont arriver et qui honnêtement, je sais pas comment je vais faire parce que c'est complètement nouveau pour moi et voilà. Donc c'est le souci, mais après voilà, je veux quand même m'installer à mon compte si j'ai mes diplômes. C'est le but quoi, j'ai envie de faire ça donc ça arrivera bientôt en fin d'année. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était le mind map que j'ai fait sur mon agenda, à moitié bullet journal. Je vais vous le montrer vite fait. En soi, c'est pas un truc le mind map, mais ça reprend quatre objectifs que j'ai pour cette année. Donc, vu que c'est une vidéo projet et tout, ben, c'est normal que je vous en parle. Donc, voilà vite fait à quoi ça ressemble. Enfin, les deux pages même, parce que là, il y a la version un peu. Et puis là, c'est ce qui reprend les points de là. Donc, j'ai quatre objectifs pour cette année. Réussir mes études, voilà, évidemment. Donc après, j'ai mis plein de petits trucs qui devraient m'aider pour cet objectif-là. Ensuite, faire du sport régulièrement. Je suis inscrite cette année encore, enfin ce semestre-là, à la Fit Dance. J'en faisais déjà au semestre dernier, donc fin 2017. Là, je me suis réinscrite, donc forcément, c'est une fois par semaine. Donc ça, c'est déjà bien. Quand tu as un truc à aller toutes les semaines, ça t'aide à faire du sport régulièrement. Mais que ça, c'est pas assez. Donc j'aimerais bien faire plus. Par exemple, bah déjà, danser avec le groupe, c'est aussi du sport. Sauf que là, on a un problème de salle, mais bon, j'espère qu'on va trouver une solution. Mais par exemple, aller courir, j'avais essayé de courir en Angleterre, puis après, bon, je vais arrêter, mais quand je le faisais, j'aimais bien, donc il faudrait que je m'y remette. Faire du sport type gainage, renforcement musculaire. J'ai fait un peu de yoga aussi, donc j'aimerais reprendre tout ça et faire du sport assez régulièrement. L'idéal, ce serait 3 fois par semaine. Et si j'arrive à avoir ce rythme-là, bah, d'augmenter un petit peu. Manger sainement, voilà, c'est pas nouveau, c'est depuis très longtemps et j'y arrive toujours pas. Donc c'est le but. Là j'ai mis du coup plein de petits trucs qui peuvent m'aider. Donc on va voir si ça marche. Et de toute façon c'est la volonté aussi qui vraiment... Il faut vraiment que moi je fasse l'effort, quoi, que je le veuille et que je fasse ce qu'il faut pour... Bah, en fonction. Et le dernier, alors c'est ce que j'ai marqué mais je savais pas comment le marquer. Donc c'est être au mieux financièrement. Attends, être au mieux possible financièrement. C'est-à-dire que, voilà, n'ayant pas de revenus pour l'instant, ben, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, je vais faire un objectif, être au mieux possible financièrement. Donc, bien sûr, dans les options, enfin, dans les trucs à faire, il y a gagner de l'argent. Ça semble logique. Donc, pour l'instant, j'essaie de faire des petits trucs. J'ai lancé des cours d'anglais, j'ai lancé des massages, mais très pas cher, très peu cher, vu que bah, je suis encore en entraînement, entre guillemets. J'ai pas mon diplôme, donc faut que je m'entraîne sur des cobayes. Donc, je les ai mis pas cher du tout. Donc, ça peut m'aider à avoir un petit peu de sous. Après, j'ai mis peu dépenser. Voilà. Et éviter les dépenses inutiles. C'était mon petit mind map, les objectifs principaux de cette année. C'est pas une mince affaire. Donc voilà mes projets et du coup mes objectifs pour l'année. Bah après, il y a plein de petits objectifs que j'ai pas forcément marqués, genre YouTube, j'ai des objectifs, j'ai des genres de vidéos que je voudrais faire. Personnellement, j'ai d'autres petits objectifs, enfin même gros, mais je me voyais pas le marquer, genre continuer sur mon chemin, à mieux m'accepter, à être fière. À accepter d'être comme je suis, être fière d'être comme je suis, je pense qu'il me faudrait un certain temps parce que être fière d'être petite et d'avoir une bouille de 10 ans, je vois pas comment on peut être fière de ça. Mais déjà accepter et me dire voilà, je suis comme ça, bah, c'est la vie. Et après m'aimer et puis voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, ça va, il fait encore un petit peu jour donc je suis pas dans le noir. N'hésitez pas à me proposer, vous, enfin à me proposer, me partager vos objectifs ou vos projets pour l'année 2018. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
avec mon gros plaid là qui pèse 10 kilos. Bon, j'exagère.